Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur une journée à la ferme avec le festival Culture Culture. Dans le viseur de Sylvain Marchou, l'œuvre du temps sur les paysans du Causse-Corrézien. Depuis Terrasson, connexion immédiate avec la Turquie en compagnie du musicien Yavuz Özer. Rencontre dans le Médoc avec l'artiste et performeuse Sarah Trouche. Dans la rubrique Lue, Sophie Poirier, tombée en amour pour le Signal à Soulac. Nourrie au creuset de l'éducation populaire et des contes, le Moulin du Marais, dans les Deux-Sèvres, nous raconte encore et encore des histoires, de la passion et de l'engagement, et c'est notre grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Avec Culture Culture, des fermes se transforment en lieu de rencontre entre art et agriculture. On y vient pour apprendre, échanger et s'émouvoir dans une ambiance décontractée, sans barrière ni hiérarchie, entre agriculteurs, artistes et public. Un mariage réussi. Mais Culture Culture, c'est une journée à la ferme et où on essaye de présenter le travail des fermiers, des agriculteurs, et le mettre en parallèle avec les musiciens, et pas que des musiciens d'ailleurs, puisqu'il y a des circassiens, il y a de la danse, on voulait que ça soit ouvert un peu à tous les arts, et de se dire on va amener de la culture, une autre forme de culture dans les fermes. Là c'est une parcelle quasi toute pitchounette, et le deuxième rang là-bas, on a surgreffé au mois de mars, avril, et pour changer de variété, on a mis des gold rush. Plutôt que de replanter des arbres, on tronçonne l'arbre et on remet des greffons, mais il va vous montrer. On a tronçonné, on a fait une coupe comme ça et une coupe comme ça. On a laissé deux greffons, puisqu'on en met toujours deux. Et là, on a les deux qui ont pris. Dès le début du projet, c'était vraiment l'agroécologie qu'on voulait mettre en perspective. On voulait essayer de montrer le travail de ces gens qui essaient de sortir un peu de l'agriculture intensive. Comme ici, par exemple, ouais, il a planté depuis 2000 des variétés anciennes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est les courpendus. C'est une super pomme. Comme pas un succès fou, mais c'est immérité. C'est les meilleurs. Il faut les prendre, c'est méga bonne. Sur les marchés, on nous pose beaucoup de questions. On n'a pas toujours le temps d'y répondre. Et en situation, c'est-à-dire au milieu des vergers, on peut prendre le temps de discuter, de connaître des gens et de se rencontrer. Et on aime bien la musique, la culture et tout ce qu'il y a autour. Quoi. Donc, marier les deux, ça nous paraissait intéressant. L'idée de présenter une première étape de création sans technique particulière nous a motivés, en fait. Marc m'avait dit, voilà, on fait quelque chose de plutôt brut, sans technique, donc on voulait une scénographie toute petite. Et en fait, la scénographie, elle se trouve déjà dans le décor. Le thème que j'aborde aujourd'hui et que j'aborde régulièrement, c'est de parler des variétés patrimoniales de fruits et le lien avec l'agroécologie. Pourquoi est-ce que je peux parler des variétés d'arbres fruitiers? C'est parce que je suis allée les chercher de 79 à 90 dans les campagnes. Toutes ces variétés anciennes, elles ne sont pas tombées du ciel. Elles ont été issues d'une très longue coévolution avec l'homme qui a domestiqué les arbres forestiers au même titre que les céréales, que ce soit le blé, l'orge, le riz. Je suis venue pour une conférence sur l'arboriculture agroforesterie qui était très intéressante avec Evelyne Leterme. Moi, je suis moi-même dans la
plutôt dans l'aquaculture, mais j'aime bien pouvoir partager aussi sur nos méthodes de production, etc., etc. Et je pense que c'est le lieu idéal. C'est vraiment un retour aux sources parce que de manière ancestrale, il y a toujours eu des fêtes dans les fermes. On fêtait les moissons, on fêtait la vigne. Il y avait aussi les fêtes des équinoxes, les fêtes de solstice. Et tout ça a disparu un petit peu au fil du temps. Les fermes ont perdu un peu ce côté lieu de vie. Et donc c'était l'idée de ramener vraiment la fête à la ferme en fait. Au vrai de la princesse, je ne saurais pas dire ce qui fait son pouvoir. Je subis son empire sans souci de déchoir, vouloir, savoir et vain. Je ne sais presque rien au vrai de la princesse. De la princesse. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Avec beaucoup de chance, j'ai pu approcher des femmes et des hommes enchaînés à leur terre depuis leur enfance. C'est avec ces mots que Sylvain Marchoux nous introduit dans son monde. Un monde fait de vieilles personnes, enfants de paysans qui n'ont pas eu d'autre choix que de devenir eux-mêmes paysans. Là-bas, sur cette terre aride du Causs, quelque part en Corrèze, là où poussent les cailloux. Leurs mains sont calleuses, leur dos courbé, leurs gestes usés. Ils sont les derniers survivants de toute une génération qui a grandi, aimé, travaillé sur cette terre qui les a vus naître. Parfois, l'un d'eux partait pour la guerre en Algérie. Leur génération s'efface dans le silence. Je voulais en garder une trace, montrer que ces visages ne remontent pas aux années 50, mais sont bien d'aujourd'hui, explique le photographe. Et puis montrer leur vie âpre, leurs rêves enfouis dans un présent matiné de solitude. De ferme en ferme, avec son Rolleiflex, un appareil photo mythique qu'utilisaient Édouard Bouba, Willy Ronis ou encore Robert Doisneau, Sylvain Marchoux a pris le temps d'apprivoiser ses modèles. Avec seulement 12 photographies embarquées, cela me demandait une attente, une attention particulière avant de déclencher la prise de vue. On le sent fasciné, comme aimanté. C'est une génération qui a connu tellement de bouleversements, l'arrivée de la traction mécanique, de l'électricité, de l'eau courante, de la télévision, des emprunts bancaires et même des pesticides. Que deviendront leurs terres une fois qu'ils auront disparu ? Se demande-t-il encore, conscient qu'il fixe pour toujours la fin d'une certaine ruralité, le basculement d'un monde. Depuis Terrasson, connexion immédiate avec la Turquie, en compagnie de Yavuz Özer. Adım Yavuz. İşte 86'ta geldim. Müzik ve kendi bir mesleğim var. Yanına da müzikle uğraşıyorum. Mekanisyenim yani ama aynı zamanda bir de müzikle de uğraşıyorum. Yani o, Türkiye'nin tam ortası Santya, Akote, yani Kapital. Kapadokya'nın yanındayım yani yanından. Yozgat'tan geliyorum. Ben genellikle Anadolu müziği yapıyorum. Halk müziği diyelim kısacası. Saz çalıyorum ben. Saz sadece İç Anadolu'ya ait yani İç Anadolu'da kullanılan bir saz. Bu da işte Orta Asya'dan gelme yani sazın esas gelişi Orta Asya'dan gelme. Kazakistan, Moğolistan'dan gelme ama İç Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir saz yani. 8 telli bizim İç Anadolu'da çok tutulan bir şey. Leylimle'yi söylüyorum. Memleketinden sürgün gitmiş bir insanın Türkiye hasretini anlatıyor yani. Kaldı mı? Sarah Trouche vit entre son Médoc natal et Paris quand elle ne sillonne pas le monde pour ses performances. Rencontre à Fort Médoc avec celle qui se définit comme une artiste polymorphe.
pour moi, la performance, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de définition. C'est le vivant et la vie en soi, un moment d'inattendu. Mais ce qui compte dans la performance, c'est toujours d'être ici, maintenant, présent. Je me situe là où mes pieds sont posés. Et dans ce travail de performance, je mets en avant ce que j'appelle les anomalies sociologiques et politiques. Donc je vais dans ces angles morts de la société, j'essaie de mettre en lumière ça, et le corps est vecteur et médium d'interaction, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Ça m'amène au Bénin, à Svalbard, en Arctique. Ça m'amène dans la forêt amazonienne, ou en Chine, ou à Taïwan. Ça m'amène en Île-de-France, mais ça m'amène aussi en Outre-mer, en Médoc. Le fait d'avoir une carrière dans le milieu de l'art et de rester en Médoc me permet d'amener justement de plus en plus de propositions artistiques, d'inviter des artistes à découvrir ce coin. Et parce qu'ils découvrent ce coin, ils font avec les habitants et on se retrouve à collaborer tous ensemble et à créer des synergies. L'art, c'est ça, c'est essayer de prendre le temps de revoir, de poser un regard différent et après de tenter de le partager, toujours avec bienveillance, toujours en horizontalité, parce que sinon on n'arrivera à rien. Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire dans mon parcours d'artiste. Là, on est à Fort-Médoc, qui est un site exceptionnel. On est face à l'estuaire, encore une fois, ce rapport à l'eau et au déplacement. Ici, c'est un espace nature, c'est un espace historique, c'est un fort Vauban. Et puis, j'ai des endroits, d'autres endroits relais, comme le grès médocain, où là, bah, c'est de l'argile, ils ont eu leur propre carrière, on extrait la terre. On retrouve ces éléments naturels, mais qui, du coup, vont nourrir ma pratique. Et ça fait des synergies, ça fait des imprévus. Et puis des créations, hein, parce que c'est quand même le but, c'est de faire art. Voilà. Je m'aime beaucoup la phrase de Paul Klee qui dit « L'art, c'est le vivant et la vie en soi ». C'est aussi rendre visible. Et du coup, c'est ça qui est un peu ma leitmotiv. Et puis nous ne sommes que des passants, comme dit Feldwyn Sarr. Donc on passe, on essaie de partager et on ne sait pas ce qu'il en restera. Mais encore une fois, c'est le voyage qui compte plutôt que la destination. Pourtant, il fallait le voir dans la belle lumière du soir, quand la mer se retirait loin et qu'on le regardait depuis l'eau. L'équilibre de sa forme radicale, le soleil qui brillait dans les vitres, cette couleur beige qui éclatait, on peut dire, de mille feux, il avait l'air en or. Je suis tombée en amour de cet immeuble. J'ai choisi d'écrire un livre sur le Signal. C'était une rencontre avec cet immeuble dans le cadre d'un reportage littéraire. Je me suis laissée happer par à la fois quelque chose de documentaire, puisque je raconte un peu son histoire, et puis sa poésie. Il y avait quelque chose de l'intimité qui m'a touchée dans cet abandon des gens qui étaient partis, de laisser derrière soi un lieu où on a vécu. À la fin des années 60, il va symboliser les vacances, les Trente Glorieuses, la croissance infinie. Et puis, 50 ans plus tard, l'océan est à 9 mètres, c'est l'érosion du littoral qui fait son chemin. Au début, on a pointé du doigt la nature qui allait détruire cet immeuble. Finalement, c'est les hommes qui ont donné un permis de construire pour l'installer là. Et c'est les hommes qui vont faire un permis de déconstruire pour le sortir de là. Et ça reste une histoire d'être humain et de responsabilité humaine. Ça me semblait important de garder le Signal en vie par un livre avant qu'il soit détruit, pour que tout ce qu'il a à dire de nous, de la disparition, de la nature, de cette histoire qui est symbolique, pour que toutes ces choses-là restent intactes.
Lezay, dans les Deux-Sèvres, se niche le Moulin du Marais, un lieu exceptionnel nourri au creuset de l'éducation populaire. Découverte d'un monde où théâtre, contes et récits se mêlent avec bonheur. La vraie singularité du Moulin du Marais, c'est que c'est un lieu à la fois de création, mais aussi on accompagne beaucoup d'auteurs et d'autrices de théâtre qui viennent en résidence d'écriture. Et l'autre singularité, c'est qu'on travaille vraiment autour du conte, des arts du récit. L'orage s'impatiente, le tonnerre s'enroule, l'or déchire le ciel d'encre et notre île colline se fait métallique. Avec toi, toi qui ne crains plus le point de non-retour, avec toi, à défier la foudre, les claquements de fouet. L'arbre bleu, c'était un peu l'idée de faire se rencontrer les hommes avec les arbres avec les hommes. On s'est amusé à partir interviewer des arbres, parfois taiseux, parfois très bavards. Et on a collecté des sensations, des histoires de vie, de rencontres, qu'on a transformées ensuite en chansons et en récits. J'aime ta dégaine d'épouvantail, déguenillée, désarticulée au vent. On va rajouter un petit plus après l'orage. Je trouve que ça permet justement de s'installer dans l'humeur du texte aussi, hein, et de nous laisser un petit peu en suspens par rapport au texte. On connaît Jean-Jacques Éperon depuis pas mal d'années, parce que c'est un curieux de textes, de langage, de chansons. On aime que nos chansons racontent des histoires, et lui défend les histoires. Ce texte-là, on a besoin de l'entendre. Tu vois, de l'entendre, donc de prendre le temps pour effectivement qu'on se fasse nos images, et que ça nous emmène ailleurs, quoi, pour le coup, quoi, tu vois. Non, c'est chouette. Je suis vraiment content. L'idée de travailler ici, c'est vraiment d'affiner un petit peu plus la façon de présenter du récit en musique et de croiser ces publics d'ailleurs qui viennent pour le projet, des publics d'ici qui viennent parce que c'est ici. Je pense que cette rencontre-là est très intéressante et passionnante même. Ici ou là, voyage-moi. Voyage-moi encore un peu. Encore un peu ici ou là. Je suis ce que le vent fera, ce que le vent fera de moi. Je suis ce que le vent fera, ce que le vent fera de moi. Le mouvement des foyers ruraux a toujours été porteur d'actions culturelles. Quand on est sur un territoire rural comme le nôtre, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait de la rencontre entre des artistes professionnels et puis des publics, des gens, des citoyens. Par exemple, la salle qu'on voit derrière nous, elle a été financée par le ministère de l'Agriculture pour cette idée générale d'amener des projets de la culture en milieu rural. C'est un des premiers foyers ruraux qui a contribué aussi à développer le mouvement des foyers ruraux à l'après-Seconde Guerre mondiale. L'année dernière, il a fait tellement chaud, canicule, les poules de ma voisine avaient pondu des œufs durs. Ça, malheureusement, chez nous, ça arrive chaque été. Et ça, ce n'est pas une menterie, c'est une véritable réalité. Ah, le basque est fort. Voilà. Nous, dans le cadre de Paroles de Village, Koldo Amestoy, conteur basque et moi, nous avons décidé de rencontrer des gens sur nos deux coins. Alors lui, il m'a emmené au Pays Basque, Saint-Pierre-d'Irube. Moi, je l'ai emmené à Jonçay. Et mon projet à moi était de lui faire rencontrer des gens qui, pour moi, font que le territoire, il est ce qu'il est. Mais dans ce projet, ce qui était beau, c'est pas l'idée que chez toi, c'est mieux qu'ailleurs. C'est l'idée que si je sais d'où je viens, mais je suis libre pour partir. Et c'est parce que je suis partie que j'ai eu envie de revenir. Et que surtout, j'ai réhabilité avec fierté ma propre culture. Champagné. Entre la hauteur du pic et l'immensité du ciel, eh ben t'as de la place pour loger l'imaginaire. Il y a la grande histoire et puis la petite histoire, elle est faite par tous les gens qui vivent sur nos territoires ruraux. Et comment on peut aussi la sublimer par un regard artistique, un geste poétique. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un travail justement d'aller chercher la parole des gens pour à savoir quels étaient leurs liens à leur territoire, à leur culture, à leur langue. Et c'est comme ça que Paroles de Village est née en fait. Le livre, c'est vraiment le collectage. Ouais, le livre, ça correspond plus au collectage. Et
si j'ai bien compris, il y a un autre spectacle qui se joue demain à Coué. À Coué, le Fred Midi. Et le collectage, là, il a été fait dans les Deux-Sèvres. Oui, c'est les jeunes qui veulent faire. C'est les jeunes, voilà. Nous, les jeunes du milieu rural, on est des aventuriers. On veut tous se barrer, quoi. Non, parce que le milieu rural, c'est un lieu non futur. Enfin, tu vois pas ce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, enfin, à Châtillon, tu vas te dire, bon, bah, programmateur informatique à Châtillon. Enfin, tu vois, tu pars en bus le matin pour aller au lycée, à 7h03. Tu lances le téléchargement de ton film, tu reviens à 19h33, le film est toujours pas téléchargé! C'est un spectacle de collectage issu de la parole que j'ai récoltée auprès de jeunes du pays mélois. C'est des communes où ils projettent aucun avenir. C'est un territoire où on quitte forcément pour aller faire ses études. Et après, c'est le milieu rural, donc il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de KFC. On ne peut pas faire nos études en restant ici, c'est impossible. Donc en fait, nous, rester, ça serait un peu comme un échec. Ben, en fait, aujourd'hui, le milieu rural, c'est pas un lieu... Qui est pensé comme un lieu productif. C'est-à-dire, en gros, le milieu rural, c'est bien quand on est enfant, puis quand on est retraité. Et donc, c'est des territoires où on peut vite se sentir abandonné. Je les appelle les oubliés du monde, quoi. Et le vendredi matin, en fait, tu te réveilles, et en fait, tu comprends très vite qu'il y a un truc que tu n'avais pas prévu. Le sac de linge sale. Non, parce que t'es dans 9 mètres carrés, enfin, tu peux pas avoir de machine à laver. Donc t'es là, dans les vapeurs de la veille, et là tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Puis au bout de 2 minutes, tu prends une grande décision. Je rentre. On est dans la théâtrothèque, puisqu'à l'origine, on a développé ce pôle ressources autour du théâtre, justement pour accompagner la pratique du théâtre amateur. Et l'éducation populaire, c'était de dire, on va vous offrir aussi d'autres possibilités, d'autres regards, notamment le théâtre contemporain. Tu me parles de Marc, un homme avec qui je vis. Le Moulin du Marais propose des formations, des spectacles, et la possibilité de profiter de cet endroit assez magique. Sa façon de chasser la fumée de cigarette le condamne sans phrase. Il y a beaucoup de troupes de théâtre amateur. On est dans le sud des Deux-Sèvres, donc il y a vraiment historiquement quelque chose de fort à ce niveau-là. Tu sais que Anna a vu le tableau. Ah bon ? Atterrée. Ah bon ? Elle m'a dit que c'était une merde. L'éducation populaire, portée en tous les cas par le mouvement des foyers ruraux, c'est comment on participe à la formation des gens, comment on participe à des notions de transmission, comment on peut accompagner les gens pour qu'ils soient aussi acteurs de leur propre développement. Je dois aller à l'essentiel. Comment peux-tu finalement, où tu as avantageusement éliminé formes et couleurs, c'est de scorer? Pas du tout. Je suis capable d'apprécier une œuvre plus figurative. Ton hippo-flamand, par exemple. Que ce soit le sud de Sèvres ou le sud de la Vienne, le théâtre amateur a toujours été très très prégnant. Il y a un attachement fort au conte, au récit. C'est comment on se raconte des histoires et comment on se transmet les histoires. On n'aurait pas aimé aller ailleurs qu'au Moulin du Marais. Ce qui se fait là-bas, c'est pas du passé, c'est pas de la nostalgie, c'est contemporain. Il devrait y avoir des Moulins du Marais dans tous les petits villages de France. Un outil comme ça, il devrait y en avoir partout. Dans le prochain numéro de Champs Libres, focus sur Chabra Mokare, la nouvelle vie très artie d'une ancienne école de village. Le Marais Poitevin, dans le viseur de Michel Paradinas. Depuis Uzeste, connexion avec l'Afrique, avec le théâtre de Us et Coutume. Rencontre à Terrasson avec la jeune comédienne et metteuse en scène, Attis Heuser. 40 regards landais, le livre qui fait aimer les Landes. La belle académie baroque du Festival du Périgord Noir. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.